Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Hey, y'a plus de c'est un coup de nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter un deck et pour commencer une nouvelle série les gars tout simplement. La série que je vous avais dite qui est pas sortie du coup hier mais qui sort aujourd'hui. C'est la série Road to Top 1000 les gars. Mon but c'est de faire un top 1000, donc avoir le badge top 1000. On va le faire, on va commencer ça, on va faire 3 games par vidéo. Et pour commencer cette série, quoi de mieux qu'un petit log mid spam. Voilà, donc on a Sapper le Fuel Goblin, on a la voleuse pour mettre la pression, la princesse bien évidemment, le chasseur qui revient un peu méta, les squelettes pour Kite et la charrette qui est une défense très solide. Avant que la vidéo commence les gars, n'hésite pas à s'abonner à chez le petit pouce bleu de famille, ça ferait un plaisir et merci à tous ceux qui le feront. Allez, c'est parti pour la première game, on met une petite voleuse au pont même si elle est que niveau 12. Là, on prend 0 coup. Hein. Oui, la bande peut-être un peu forcée. Oh, attention. Oh, ça passe. Hop. Hop là, nickel. Deux sapeurs qui connectent, ça fait plaisir. Le chasseur qui reste en vie. Chasseur qui arrive, mettre un coup. Ça, c'est cool. Ok, alors. Cochon. On va aller mettre le fuel gobelin pour voir ce que ça donne. Ok, il est trop sorcier. Bien joué de sa part. On va aller mettre une princesse ici. Hop. Avec une petite bûche. Et puis voilà, ça devrait défendre normalement. Tranquillement, voilà. On va mettre un petit au cas où, comme ça on attend de réagir. Voilà, je savais, je m'en doutais qu'il allait tenter un truc. On va aller mettre la voleuse ici tranquillement. Ouais, attends, parce que là on a quand même un petit souci de type. Il y a un peu du monde sur le terrain quoi. Avant il a énormément forcé. Est-ce que là ce serait pas le moment de tenter un truc les gars? Genre un petit sapeur pré-shot bûche, genre comme ça. Voilà les gars. Les gars, ça c'est du beau jeu les gars. Ça c'est du beau jeu les gars. C'est ça qu'on voulait voir. Est-ce qu'il est assez pour quelque chose là? Il est trop sorcier, très bien. On va juste aller mettre des petits squelettes, on va aller prendre un petit coup, c'est pas très grave. Hop. Petit squelette, voilà, donc on va prendre un petit coup, c'est pas dramatique. On va aller mettre le chasseur ici tranquillement. On va mettre des sapeurs bien évidemment en pression. C'est bien qu'ils soient assez relous. Il y en a un qui connecte, ça c'est cool. Il va sûrement mettre sûrement quoi. Il va sûrement rien mettre en fait. On a la voleuse, on va les mettre au pont. Voilà, t'es mon timing là. Éclaté. Ah. Ça c'est très problématique par contre. Ok, on va ça. Là on a le chasseur ici. Nickel pour tanker. Quoi ? Ok. Là on va les mettre ici, comme ça ça touche pas. On va aller mettre les sapeurs avec. Ah, on va pas mettre de pré-shot de bûche du coup. On va éviter quand même. Ce serait quand même un peu con. Là on va aller mettre une très bonne bûche. Là on met toute la dorme pour défendre pour éviter de pas perdre d'un tour. Nickel, on a aussi gardé notre tour en vie. Là on va aller mettre une petite pression avec Fio Goblin sapeur. Il n'a plus de barbare, ça c'est cool. Là on va mettre la bûche. Voilà, il va nous prendre la tour, c'est pas très. C'est pas grave, hein. C'est pas grave si on prend la tour. On va quand même bien gratter l'autre côté, là on sait ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre simplement un cochon ici, donc on va pré-shot un truc. Non, pas de pré-shot, on va mettre le petit bandit. Il sait pas encore qu'on a la charrette, hein. Ok, parfait, il a atteint son timing. Il me fait fuir au blanc, simplement. On va essayer qu'il y a une princesse au fond de map. Hop, d'accord, bah, nice. Ok, on va aller commencer avec une petite charrette ici pour commencer à défendre tranquillement. Là, on va aller être une bandit au pont. Hop, voilà, parfait. La charrette qui fait son taf, hein. La charrette qui fait son taf. Là, on va aller mettre ça là, tac. On s'en doute, hein, qui va mettre le... la halouf. Ok, on va aller mettre le petit feu gobelin. Petit bandit dans le corner ici pour tanker le feu gobelin. Le bandit qui dash, et là, c'est la merde pour lui. On va aller mettre une princesse. Il a rien pour gérer les princesses, ça c'est plutôt cool. Je pense qu'on va les remettre. Oh, je pense qu'on va plutôt faire ça, ouais. Je pense que ça paraît plus quali de faire ça. Ouais, ouais, voilà, mettre un petit coup, ça c'est pas. C'est nous qui donne le smile, ça. Ok, là on met le petit feu gobelin. Là on a encore ça à mettre. C'est pas grave, hein. Si on a raté le timing, hop. On va simplement aller mettre le chasseur ici pour défendre. Hop, voilà, tranquille. On va mettre une princesse au pont. Une princesse au map, je veux dire.
ici on va remettre tout simplement une pression avec une charrette et là on va simplement prendre la win. Ah non, pas encore. Le karma peut-être, non c'est bon. Ok, voilà, première game tour là, ça. Première game tour Dieu, mais on la gagne, ça c'est plutôt cool. Allez, hop, on part sur cette première win de première game de win. Hein. Le mec était pas ouf. Allez, hop. C'est parti les gars, deuxième game. Ok, on commence un petit feu gobelin. Ok, gang de gobelins, on va les mettre la princesse ici. Allez, vite protéger ça par contre. Le but c'est de quand même protéger un maximum la princesse. Voilà, donc il y a la princesse qui est protégée, c'est ça qu'on veut. On va mettre les sapeurs en pression. Ça évite de défendre la princesse trop facilement. Il va laisser, oh, il va laisser un sapeur co, ça c'est cool. Ah, ça c'est cool. Là ça fait chier ça. Ça le fait chier parce qu'il a plus rien pour mon feu gobelin. Et je pense même qu'on va peut-être mettre pour ce point sur son skimé. Non, on va aller mettre une bûche, attends un petit peu. Hop. Ok. On va aller mettre une princesse. Là, attends, je crois. Pas les couilles non plus. Hop, voilà, nickel. Et là, ce qu'on peut limite faire, c'est ça. Il doit mettre une Tesla. Ouais, il a plus un point sur le là, par contre. Il a peut-être le gang. Et j'ai zap, hein. C'est sûr, ça. On va zap ça. Hop, on met une petite voleuse ici au pont. Ça met une pression et mettre son gang, bien évidemment, c'est logique. Et là, ce qu'il sait pas, c'est que j'ai la boue de chasse. Hop. Petite bûche tranquille. On va aller mettre des sapeurs en pression encore une fois. Toujours garder une pression constante avec le genre de deck. Il va pas laisser les sapeurs co. Mais on va juste défendre avec une petite charrette. Hop. Voilà, je me doutais qu'il allait faire ça, c'est pour ça que j'ai pas mis le feu gobelin. Je me doutais qu'il a tenté de mettre une pression avec les chauves. En plus du MK. Voilà, donc il y a la défense qui est clean. Petit bandit ici pour défendre. Est-ce que ça suffit? Oui, ça suffit bien évidemment. Pas de pré-shot bûche, on va faire ça. Et là, on va aller pré-shot bûche par contre. Ah, donc là, la petite bûche qui a fait le taf. Et il est obligé de mettre une Tesla, c'est pas ce qu'il veut. Normalement, si je dis pas de bader la princesse au pont là. C'est chiant. Hop, il va tenter le push de l'année, je pense. Ok, là on a le petit chasseur, petit squelette. Ok, là on a le bandit ici pour défendre. On a la bûche. Petite princesse ici tranquillement. Ok, merde. Ouais, on va faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Là voilà, on a tout simplement une princesse. Bon, ça de la full tempo dans tous les cas. Celle-là juste à la tempo. Et puis voilà, on va aller prendre cette deuxième ligne contre JC. JS, oh là là, vas-y, je suis fatigué. Ouais, excusez-moi les gars, il est 3h du matin actuellement. Allez les gars, on part directement dans cette dernière game de la vidéo. On passe d'ailleurs au 6K3, ça fait plaisir. Allez, dernière game contre Chris, Irico. On va commencer par un petit feu gobelin ici, tranquillement. Princesse au pont, bandit au pont. Petite voleuse. Ok, on défend tranquillement, pas de pression. On met une petite charrette ici. Hop. On met des sapeurs ici au pont. Ok, Dark Prince. On va essayer de protéger ma charrette, je pense. Nickel. Parfait, c'est ce que je voulais, c'est chiant pour lui. Il va mettre quoi? Oh, le PK. Le PK qui est sorti. Ok, on va mettre le Hunter ici. On a des squelettes, évidemment. Parfait. Princesse au pont. Il y a quoi pour défendre? Une voleuse. Ah ouais, j'ai rien pour défendre là. Ouais, bon, là c'était la merde. J'aurais dû qu'il dise autant avec les sapeurs en fait. Là j'ai fait de la merde. Bon, là il va falloir qu'on écoute un peu notre parce que c'est vraiment la merde.
Je pense qu'il a un gros pointage en vrai. Voilà, il a quoi dans la main? Il a le Dark Prince. Du bruit spam, hein. Ok, l'archer, ouais. Là, le bélier, effectivement. Là, je pense qu'il y a moyen d'aller caler une bonne bûche si elle veut tomber un coup. Nickel. Alors, la bûche, là, est assez exceptionnelle. On peut aller mettre ça vite. Hop, hop, hop. Ok, ça va, j'ai pas besoin de mettre des squelettes. Parfait. On va le mettre ici, comme ça, t-shirt. Ça fait une défense. Ok, nickel, ça va se transformer en bâtiment. On va mettre feu gobelin sapeur. On va mettre une princesse ici pour aller faire chier. Petite voleuse au pont. Là, on va l'empêcher de jouer. Hein. Là, les gars, je vous dis, on va l'empêcher de jouer, le frérot. Je vais juste être infernal à full spam. Là, c'est une deuxième princesse, évidemment. Là, on a la chatte qui a fait un gros taf, par contre. Ouais, vraiment, hop, nickel. Parfait, voilà, nickel. La chatte qui fait le taf. Là, on va aller mettre la voleuse. Petite bûche. Tranquille, voilà, nickel, ça kite. Là, on peut aller mettre le chasseur. Pour aller défendre. Hop, voilà. La petite sapeur de famille. Voilà, nickel. Vous voyez, les défenses sont assez tranquilles, en fait, quand tu gères bien le deck. Hop, voilà, hop, tranquillement. Là, on peut mettre le petit bandit. Pas prendre trop cher non plus, faut pas abuser. Là, on met les sapeurs pour kite. Voilà, exactement comme ça. Là, on peut aller continuer sous pression. Hop, petite princesse au pont. Bien joué de sa part. On va aller mettre le petit squelette ici. Hop, parfait. Là, on va aller mettre une canon de carte au pont. C'est parfait si vous avez un bâtiment. Voilà, exactement ce que je voulais. C'est ça que je voulais. Voilà, parfait. C'est exactement ça. Ça va split. Pas besoin de défendre. Là, on peut mettre une pression avec les sapeurs. Voilà, il y a l'arrière pour défendre les faits gobelins. Les sapeurs qui vont connecter. Et on va aller prendre la win sur ça. Game compliqué. Game compliqué. On a très bien géré le matchup, je trouve, à mon goût. Surtout qu'on a une voleuse 12. Hein. Faut pas oublier, les gars, qu'on a une voleuse 12. Donc ça peut rester compliqué. PK bruit spam. Voilà, bon, après, t'es pas incroyable. Il a fait que 7K. Bon, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, les gars. C'est Mako. Ciao.